Kogo, les microbes là, ce sont les étrangers. Mon frère, il y a un adage qui dit que si on vient chez toi et qu'on ne casse pas la maison et qu'il y a vol, c'est que le complice fait partie de la maison. Ça veut dire le phénomène des microbes là, ce sont des Camerounais. Et c'est ce qui arrive dans un pays où les jeunes sont en retraite et les vieux s'accaparent de tous les postes. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons atteint un moment où chacun doit avoir quelque chose à perdre. Un jeune qui a le boulot ne peut pas risquer à faire n'importe quoi parce qu'il sait qu'il va perdre son travail, parce qu'il est sûr de son avenir. Nous sommes dans un pays où la jeunesse ne rêve plus. La jeunesse n'a pas d'avenir. Le seul rêve, c'est aller risquer sa vie au désert ou risquer la Méditerranée ou devenir microbe. Pourquoi? Parce que les autres ont tout, les autres n'ont rien. Voilà, Monsieur Biya, à la présidence. Ses enfants ont même eu l'ENAM, mais ils ne travaillent pas. Le travail que les gens cherchent. Tous les ministres ont placé leurs enfants à des bons postes. D'autres sont ministres, les enfants sont déjà préfets. D'autres sont même en prison, les enfants sont déjà préfets. Les enfants sont secrétaires généraux de région. Les mêmes DG sont là depuis 20 ans. Le président du Sénat est là, fatigué. Le président de l'Assemblée nationale, on ne sait pas si il parle ou bien s'il chante, on ne sait pas. Hein? Tous sont fatigués. Dans un pays où on peine à envoyer les gens en retraite, même quand ils ont atteint l'âge de la retraite, vous voulez quoi? Pourquoi ça vous surprend? J'apprends, certains gens disent, venez encore faire ça, l'armée est là, le bi est là. Mais le bi va repartir. Et c'est toi qui vas subir. C'est toi qui vas subir. Est-ce qu'on va poster un bi devant chaque maison, mes chers frères et sœurs? Non. Nous devons décrier ce genre de gouvernance-là. Le problème, c'est la malgouvernance. Quand tout est bien, mais il y a la sécurité. Dans d'autres cieux, là, mon ami, quand tu te comportes mal, c'est le voisin qui va te livrer à la police. Quand tu te comportes mal, là, c'est le taximen qui t'interpelle, qui t'amène à la police. Parce que lui, il a une sécurité sociale bien, et puis il n'a pas de problème. Il est sûr que demain, il va manger. Pourquoi ça vous surprend? Voilà des enfants qui sortent, on ne justifie pas la violence. Mais tout ça est le résultat. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quoi? Mets un like et un partage pour Mbanga Diaspora. Franchement, je voulais te dire merci mon frère, parce que parfois quand une analyse est claire, elle est claire. Je vais continuer. Lorsqu'un corps est envahi par les microbes, lorsqu'un corps humain est envahi par les microbes, ça veut dire que ce corps ne peut plus se défendre. C'est quand ce corps est malade. Lorsque des microbes envahissent tout un corps humain, même si c'est un animal, un végétal, lorsque vous voyez des microbes commencer à pulluler partout dans le corps de quelqu'un, c'est que ce corps est en décomposition. OK? La société camerounaise est en décomposition. Je vous fais cette image pour que vous compreniez que ces enfants que vous voyez dans la rue en train de courir sont des fabrications systémiques. Je vous avais dit que quand l'heure est à la lecture de l'heure, on ne peut que lire l'heure. Ça veut dire que même les gens qui restent chez eux en disant ça ne me concerne pas, même les microbes vont venir vous trouver chez vous. Même les microbes vont venir vous retrouver chez vous. Ça veut dire que si vous n'arrivez même pas à vous lever, pour dire non à un petit détournement. Ça commence par là. On ne peut pas se lever pour dire non à un petit détournement. C'est comme toutes les petites maladies. Ça commence par une petite ça commence par un petit grattement. Non à un petit vol de milliards. Non à un petit. Vous n'arrivez pas à dire non pour quelque chose. On détourne tout l'argent de la CAN, ce n'est pas votre problème. On vole l'argent du COVID, ce n'est pas votre problème. On enferme les gens pour un oui ou pour un non. Ce n'est pas votre problème. Vous êtes assis sur la mamie du tribalisme. En train de manger le conchaf, le condré, le taro, le hachou, le njama njama, le pomme, le sanga du tribalisme.
Vous ne regardez pas tout ça, mais sachez que chaque fois qu'une maladie grandit, elle grandit jusqu'à ce que le corps devienne infesté de microbes. OK? Donc là, on est maintenant à une nouvelle étape. C'est que la société camerounaise fabrique des microbes. On m'a envoyé des vidéos. J'ai vu la vidéo d'un mec, un gars lui a ouvert le dos. Un gars lui a ouvert le dos avec la checkma. Ça veut dire que ceux qui pensent, par exemple, qu'ils sont à l'abri et que les histoires de Bibouni Sakala, ça ne le concerne pas. Croyez-moi, si quelqu'un vous fait croire que Bibouni Sak veut déstabiliser le Cameroun, plus que les microbes, qui est plus dangereux pour le Cameroun? Bibouni Sak qui demande qu'il y ait justice, état de droit, égalité pour tous, c'est lui qui est plus dangereux pour vous, dans vos vies, Bibouni Sak ou les microbes? Bibouni Sak ou les microbes? Les microbes sont là parce que vous êtes tous cancérigènes. Les microbes là sont là parce que quand le corps est malade, les microbes pilulent. Les microbes sont là parce que quand le corps est malade, les microbes pilulent. J'ai vu, on a sorti l'ensemble de lois pour dire les mesures prises par le gouvernement après l'attaque des microbes. Après l'attaque des microbes, première chose, ils disent on ne doit plus conduire la moto à Douala de 20h jusqu'à 6h du matin. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les benzikinas sont plus dangereux que les microbes. Ce qu'ils oublient, je vous ai dit que le changement est inéluctable. Même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Ce que les bonhommes ne comprennent pas, c'est que les benzikinas sont plus dangereux que les microbes. Hein? Ils ne comprennent pas ça. Que les benzikinas, quand tu en fais, si tu prends maintenant un benzikina, le moment où le benzikina lui travaille aussi bien, parce qu'il y a les benzikinas du soir, ils font 3 métiers par jour. Ils font 3 métiers par jour. Et vous ne pouvez pas les compter parce que quand je vous dis que le corps fabrique des microbes, vous prenez des gars, vous les, des docteurs, des diplômés, des machins, trucs, tout ça, vous les envoyez au benzikin parce que vous n'avez pas d'option pour eux. OK? Vous les envoyez conduire les motos, donc ils pilulent dans tout doigt là des diplômés sur les motos, en train de porter les gens. Maintenant, il y a une autre maladie liée toujours parce que les microbes sont la conséquence de la malgouvernance. C'est pas moi qui l'a dit, c'est aussi Mbanga Diaspora. Au moins, si deux personnes sont déjà d'accord, c'est qu'il y a un problème. Les microbes sont le produit de la malgouvernance. Tout comme les benzikines. Mais les benzikines ne sont pas encore les microbes. Mais et vous comprenez un peu ce que je veux dire, non? Que non, les microbes sont une création de Pumba, exactement comme les benzikines. OK? Parce que, comme je vous ai dit, dans le système de conservation de pouvoir, il n'y a pas de développement dedans. Dans le projet de Pumba, il n'y a pas de développement. Hein? Il y a toutes les destructions. Il n'y a pas de développement dedans. Donc, quand il n'y a pas de développement, il y a forcément son contraire. Au lieu de former donc, des jeunes Camerounais équilibrés, intégrés dans la société, prêts à travailler, le système de conservation de pouvoir fabrique des benzikineurs, des colboxeurs, des vendeurs à la sauvette et des microbes. Et des microbes. Et de l'autre côté, vous avez des détourneurs, des voleurs et des fils à papa. À ce moment, parce qu'ils sont tous à l'énorme, j'ai même vu que la belle-sœur de Nadine Dolé, et aussi quand vous avez dit que Nadine Dolé est une crapule, vous croyez qu'elle vous ment. J'ai vu sur Internet que la belle-sœur de Nadine Dolé, qui ne connaît même pas écrit tout son nom, les yeux ouverts, elle est à l'énorme, non? Elle va sortir là-bas, préfet, sous-préfet, elle va venir dire que vous n'avez jamais vu un sous-préfet de mon état. Eh oui, dans le système de conservation de pouvoir de Pumba, ne fabrique pas des hommes. Donc, c'est eux qui ont fabriqué ces microbes. Donc, quand j'ai regardé les différentes mesures prises, dedans, il y a donc les benzikineurs doivent rester de 20h à 6h. Le seul risque qui court, c'est que les benzikineurs eux-mêmes deviennent des microbes. Sauf que ça devient des microbes propriétaires de benzikines. Donc, ils risquent plutôt de fabriquer des benzikineurs. Donc des microbes, mais qui ont les motos. OK? Et quelqu'un a fait, allô, ici, Jaguar, comment? Il paraît que non, on a fait, est-ce que ça marche? Cette restriction de mettre les motos n'a pas marché de une minute. Simplement parce que c'est du bluff. C'est du bluff. Pour enlever les microbes dans la rue, il faut enlever Pumba. Pour baisser le niveau de benzikine jusqu'à enlever ça dans la rue, il faut enlever Pumba. Et quand je parle de Pumba, c'est la vraie Pumba.
Parce qu'en ce moment précis, Pomba est en train de se débrouiller avec le petit Francky. Je crois qu'avec le petit Francky, ce ne sont pas les microbes que vous aurez. Ce sera le choléra lui-même. Ce sera même plus le microbe. Ce sera le choléra lui-même. Le microbe cholérique. Non. À un moment donné, vous allez atteindre un niveau où quand vous vous regardez dans la rue, des éclairs sortent des yeux. Vous n'avez qu'à voir la rage que vous avez sur mon mur. Moi, je ne suis même pas à côté de vous. Regardez là. Hein? Le niveau de frustration qu'il y a à l'intérieur de vous. Parfois, tu vois, une fille, elle est belle, elle est comme ça et tout. Elle me voit ma photo avec ma petite crevette. On est propre, nickel. Elle veut dire, Seigneur Dieu, vous êtes misérable. Donc, je suis en train de vous dire qu'à l'heure-ci, il faut savoir que les microbes ne sortent que d'un corps malade. Quand vous voyez les microbes se propager, c'est que la maladie est devenue incontrôlable. Ça veut dire que le niveau de maladie est devenu incontrôlable. Les microbes ne sont pas des générations spontanées, ils n'ont pas poussé dans la boue. Bon, on peut dire ça, les microbes viennent de la boue. Mais il faut très bien savoir que les microbes sont issus de la malgouvernance. Quand les fils de, les enfants de, quand un type lui-même met ses 11 enfants à l'ENAM comme cavalier, pourquoi les autres enfants des autres ne peuvent pas devenir des... C'est pourquoi les autres enfants deviennent des microbes. Quand un bonhomme, une fille qui ne connaît pas parler, entre à l'ENA, c'est pourquoi les autres deviennent des microbes. Quand vous, vos parents, vos enfants vous confisquez, un type, Banga Diaspora l'a dit tout à l'heure, le type est en prison, son fils est sous-préfet. Son petit-fils est préfet. Et ses 3 autres enfants sont déjà à l'ENA. Le type est dehors, il est ministre, il a 3 enfants sous-préfet. Sadier ministre a 2 enfants sous préfet. Kavaye Yege Djibril est gouverneur. Il est quoi, président de la Sénat. Il a au moins 7 enfants qui sont sous préfet. Préfet. Et vous vous interrogez que les microbes sortent d'où? Soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux, les gars. Ok? Les microbes ne viennent pas de l'espace. Les microbes sont le produit de la malgouvernance. Les microbes sont comme dans tous les corps, quand un corps est en décomposition, parce que c'est ça qui est, c'est que le pays est en décomposition psychologique. Vous tous là, décomposition. Ok? Et quand un corps est en décomposition, il ne peut en sortir que des microbes. Je répète, quand un corps est en décomposition, il ne peut en sortir que des microbes. J'espère que ça a été clair pour vous. C'était le premier podcast de la journée. Et c'était Papa.